Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui nous allons faire Squid Game. Vous avez été extrêmement nombreux à me le demander en commentaire, même sur les live Twitch. Franchement, je crois que j'ai jamais eu une vidéo qui a été autant demandée. Et du coup, on a mis le paquet pour vous faire plaisir. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à remercier tous les gens qui ont contribué, les builders, les codeurs. Bah c'est incroyable, en fait ils ont fait vraiment un truc de ouf. Donc n'hésitez pas à les remercier avec les likes, avec les commentaires. Je pense que ça leur fera super plaisir. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, les amis. Vous êtes encore nombreux à regarder sans être abonné, et ça, il ne faut pas. C'est parti! Veuillez regarder la caméra devant vous. J'ai même pas eu le temps de sourire. Je dois refaire la photo. Veuillez regarder la caméra devant vous. Souriez. Dépêchez-vous là, avancez. D'accord. Je suis censé m'installer où là? Prenez une couchette. Je suis tout seul ici ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Les autres vont arriver. D'accord. Prenez une couchette et restez calme. Ok. Les gars, c'est incroyable! Regardez ce build de qualité! Dites-vous que c'est fait tout en props. C'est incroyable! Genre là, il y a le petit argent en haut dans la boule. Là, vous avez le dortoir. Oh là là, c'est trop bien fait. Je pense que les gars, ça va être un régal cette vidéo. Qu'est-ce qu'il veut lui? Bien, ouais. Je vous dépose votre tenue. Vous porterez le matricule 001. Ok. On est, on est combien là? Vous le découvrirez. Ok. Bon, j'enfile ma tenue. Hop là. Bon. Eh ben, si on peut gagner tout ce fric. Monsieur, je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Restez là, ils vont arriver. Vos camarades vont arriver. Je vais me pisser dessus là si je vais pas aux toilettes. Bon, allez-y alors. Mais c'est où? Derrière vous. La porte. Ouais, bah. C'est quoi? C'est des robots quoi ces mecs là? Ils sont bizarres de ouf. Ah les gars, il y a même les toilettes et tout. Bon. Hein, pour ceux qui ont pas vu la série, on va pas expliquer à quoi servent les toilettes. Hein. Bon, bah, je vais m'installer sur mon lit. Hein. Allez. Très bien, vous resterez en colonne et vous avancez. Vous vous mettrez en rangée devant les couchettes. Il y a d'autres mecs qui arrivent. On va voir si c'est des gens qui sont forts ou pas. Oh, le monde qu'il y a! C'est un délire! Très bien, on va faire les mêmes choses. On formera deux colonnes. Donc les premiers, là, vous allez former une colonne à droite. Donc vous allez me suivre. Question que je partage mon lit. Hey, oui, salut les nouveaux! Vous formez une colonne et la deuxième. Une fois que c'est rempli, vous formez une deuxième colonne sur lui. C'est quoi? C'est un gros vieux, lui. On se dépêche, une deuxième colonne ici. Comment ça, je suis vieux? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Putain, il saute sur les lits, le mongol, il va péter les lattes. Faites les malins, les nouveaux, faites les malins. On est combien là? Putain, ceux qui arrivent à se mettre en colonne seront éliminés sur le champ, alors maintenant vous vous dépêchez. Ouah, ça rigole pas ici. Vous formez trois colonnes. Et là, ils vont dégager avant que le jeu ait commencé. Ah. Et ceux qui ne savent pas former des colonnes seront éliminés sur le champ. Putain, mais ils sont combien en combinaison là, putain? Ça veut dire quoi, éliminer? Bah, tu joues plus! Éliminer, vous gagnerez pas une thune. Ah, on avait remarqué. Allez-y, hein, si vous savez pas vous mettre pourquoi en colonne. Il ouvre sa gueule, lui. Ouais, c'est... dégagez, hein, ça fera plus de place. Oh, le vieux, t'as pas parlé, le vieux. Je sais pas, il est là depuis le début, là. Je sais pas ce qu'il mange sur le lit, là. Non, mais on a débarqué, là. Il t'es qui, toi depuis tout à l'heure, là. Ouais, pourquoi il a le droit de s'allonger, lui? Parce qu'on est bien installé. Non, on est sur le lit, pas nous, là. Les espaces seront également éliminés sur le champ. C'est non. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents durant les 6 jours à venir. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Nous ne divulguons ni les visages, ni les informations de nos employés. Aux participants. C'est une mesure nécessaire pour assurer confidentialité et intégrité des jeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai installé. Hein. Alors dors-toi. Vous répartissez par deux à chaque couchette. On se dépêche. De droite. Bien, bien. Couchette bien. De droite. Salut les gars. François Idiot. Oh, fais gaffe, tu vas écraser le jeu, Steward. Non, j'étais vraiment là, mon gars. Eh bouge de là, je sens mes thunes. Sérieusement. Bouge de là, je sens mes thunes. Si tu veux, je t'aide à grimper. Si tu veux, je t'aide à grimper. Attends, je t'aide. Ouais, bien, bien. Putain, il m'a poussé de mon lit. C'est pour votre sécurité. C'est un scandale. Ah, pardon, il est où mon frère? Il est où mon frère? Ok, regarde, monte sur moi, je t'aide. Eh, merci, le vieux. Je préfère vous aider, tout membre ou participant qui utilisera la violence sera sévèrement réprimandé. Vous avez vu, regardez, dans la boule là-haut là. Vous étiez là avant, il y a du fric, regardez. Ah ouais, c'est combien la somme? Ah oui, quand même. Je sais pas,
crois qu'il y a des millions de dollars à gagner là. Des millions. Ouais, ouais, j'ai bien fait. Combien? J'ai bien fait de masquer à ce jeu. Ah oui, on va gagner 10 000. Ouais, moi c'est un mec au métro là qui m'a fait jouer là un jeu à la con là avec des cartes là. J'ai eu de taper des cartes. Vous êtes fait arnaquer. Bah non, non. Vous êtes fait arnaquer, c'est sûr, monsieur, c'est les charlatans. Bah coller des baffes dans la gueule. Sûr, mais... en fait, ils vont tous nous séquestrer là, ils font une giga prise d'otage en fait. Ah, c'est possible ça. Oh putain, j'ai pas pensé, c'est possible. Ouais, ils ont des armes, j'ai pas compris le truc. Je sais pas, mais je pense que c'est des flics. Ils éliminés en fait. C'est des flics. Pas possible. Mais pourquoi ils sont masqués les flics? Mais les armes, c'est pour faire peur, c'est tout. Vous allez reformer trois colonnes en face des escaliers. Oh bah derrière là, qu'est-ce que tu fous? Et en silence, si on vous serait encore une fois éliminé. Il fait quoi lui là? Ah merde. Tu veux la pousser là? Messieurs, mesdames, nous partons pour le premier jeu. Ah déjà? Wouhou. On s'avance en colonne, ceux qui sortent des colonnes seront éliminés. Ok les gars, c'est le moyen de se sortir de la merde. Vous rentrez à gauche tout de suite et vous restez, vous ne dépassez pas la porte verte. On passe en trois colonnes ici. Vous ne dépassez pas la porte verte. D'accord, on va être serré là. Attendez, mettez-vous sur les côtés, mettez-vous sur les côtés. Monsieur, ça fait peur. Mettez-vous sur les côtés, mettez-vous sur les côtés. Attendez, vous êtes venus vous poser. Ça va ou quoi? Chut, calmez-vous, la demande c'était. On s'entend plus là. Ouais, pareil, l'homme avec le costume là. Moi, c'était un mec en costume avec sa mallette là. Attendez la carte. Ah, c'est bon, sortez, 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 sortez. Il m'a donné des putains de symboles. Il m'a donné 800 dollars à moi. Allez-y, la sortez. Ah, ouah, c'est quoi ce jeu là? Ouah, c'est énorme. Frérot, viens, on reste ensemble là. Frérot, on reste ensemble. Ça va? Ah, vous êtes frères vous? Oh là là, c'est quoi tout ça là? Ouais, on est frères, ouais. Bah, je pense qu'à un moment, va falloir faire des équipes, hein, va falloir commencer à être. Mais oui! Ouais, mais il faut trouver. Ah, si vous voulez rejoindre un autre. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre un autre. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir nous buter. La ligne blanche qui a été tracée au sol. Je répète, veuillez s'il vous plaît vous placer juste derrière la ligne blanche qui a été tracée au sol. Notre premier jeu est. Putain, oh, y'a un robot là-bas! Vous pouvez bouger et avancer sans que je dirais 1, 2, 3, fait! Si le moindre mouvement est détecté après, alors vous serez éliminé! Wow! Bah c'est facile, c'est facile justement, c'est facile, on va gagner des millions facilement! Du gâteau ça! Attention! 1, 2, 3, soleil! Oh là là! Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Putain, ils ont tiré! J'entendais tir! C'était quoi ça? C'était quoi ça? Attention! 1, 2, 3, soleil! Ils ont tué quelqu'un! Bougez pas! Bougez pas! Bougez pas! Il se passe pas! Bougez pas! Chut! Tournez vos gueules! Te retourne pas! Surtout pas, ne bouge pas! Ok. Attention! 1, 2, 3, soleil! Il se passe quoi? Mec, retourne-toi, retourne-toi, mec, retourne-toi. Ok, retournez-vous surtout pas. Laissez-moi vous répéter les règles du jeu. Vous pouvez bouger et avancer tant que je dirai 1, 2, 3, soleil. C'est trop bien, c'est trop bien. Si le moindre mouvement est détecté après, alors vous serez éliminé. Mais il se passe quoi? Je tue des gens. C'est un mec, je tue des gens. Il faut commencer à faire des équipes. Venez, c'est ça qu'ils entendent. Venez avec mon frère. C'est ça qu'ils entendent par éliminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut créer une équipe là. Il faut qu'on crée une équipe de 5 ou 6. Vous reformez 3 colonnes. Écoutez les gars, on se dépêche ici. Vous serez éliminés sur le champ. Avec des mecs balèzes. Putain, putain. Ouais, avec des mecs musclés. Une fois les colonnes faites, vous tenez. Des gens bien garnis. Il y avait juste écrit que je serais éliminé. On y va. Il y a vraiment marqué. Vous avancez vers les maisons. Fini quoi.
Putain, ils ont tué des mecs. Eh, c'est le robot. C'est le robot qui tue les gens. Regardez les cadavres. C'est le robot, vous êtes sûr? Ouais, ouais. En fait, dès qu'il se retournait, il a vérifié des gens, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Vous allez les vérifier? Crever? Je sais pas. Vous avez fumé avant de venir ou? Cruel. Vous avez pas vu, il y avait des snipers, je sais pas. Je crois que c'est le robot qui disait sur qui tirer et tout. Vous avez pas les. Non, c'est bon, excusez-moi. Eh, les gars. Oh putain. Eh. Faites pas les cons. Quand ils nous éliminent, ils nous butent. Okay. Excusez-moi. Chut. Vous faisiez quoi avant de venir ici? Retournez à vos coins. J'étais chômeur, putain. Attention. Je suis juste là, moi. Moi, j'étais d'être avec la partie. Attends, pizzaiolo. Mais ta mère, t'as dû sampler les choses. Tu t'es foutu sur mon lit. T'es sérieux? Putain. Non, mais faut que tout le monde lui fasse la courte. Tout le monde a du sang. Vous lui fassiez la courte. Fais-moi la courte. Venez avec moi, si vous voulez. S'il te plaît. Merci, mec. Tu veux faire l'équipe avec nous ou pas? Vous avez l'air balèze. Les trois là-haut. Les trois là-haut. Eh, venez là. Oui. Nous, dans ce dortoir là, dans ce lit, on deux équipes. Oui, prenez vos tenues. Oui, faut... Mesdames et messieurs, toutes mes félicitations. Dans le cas contraire, vous avez réussi le premier jeu. Nous allons vous inviter maintenant à bien vouloir changer avec les tenues qui nous ont été mises à disposition sur vos couchettes. Bon les gars, je suis partant pour être avec vous. Y'a pas de soucis. Ouais, moi, c'est vous, comment vous vous appelez? Jibril Miller, c'est parce que là, je suis fatigué. Dans la vraie Jibril Miller. Moi, c'est Orlé. Peter Johnson, moi c'est Stewart et lui là-bas c'est Steve, c'est mon frère. On est tous les deux. Ouais. On a une cicatrice, mais. Là, putain. Appelle-moi et... Stewart. D'accord, je vais essayer de me souvenir des noms. C'est vrai que bon, je suis plus avec mon matricule. Moi c'est 001. C'est et je m'appelle Peter en vrai, voilà. Quoi c'est que... Ah bon je... Moi aussi, ah moi non, je suis numéro 29, je crois. Je suis passé trop vite. Hein. Moi je suis numéro 31. Oh, il y a bouffé les gars, il y a bouffé. Oh, il y a bouffé, comment j'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Putain, nous avons préparé les quantités exactes par rapport au nombre de joueurs. J'ai les crocs, j'ai les crocs. Aucun apport de nourriture sera apporté. Eh, arrêtez de tout bouffer là. Sérieusement? Putain, y'a des gens qui bouffent tout, waouh. Oh, faites quelque chose! Y'a des gens qui bouffent tout là! Je suis complètement d'accord! Ils sont tous en train de manger! Chacun nos rations distribuées, sinon on serait éliminés, alors on se dépêche! Mais vous rigolez! Y'en a, ils ont bouffé trop de rations! Mais wesh, mais c'est ma nourriture là! Tu vas utiliser ma nourriture! Le nombre de nourriture nécessaire à l'ensemble des participants! Vous rigolez ou quoi? Ah, mais. Ouais, merci, mec. Y'a plus rien! Y'a plus rien! Y'a plus rien, les gars! T'es avec nous? Non, mais je t'avais rien laissé! Prends ma voiture! Ok, bah merde, le vieux te fera la courte. Mais attends, mais je vais te dire que c'est nécessaire à l'ensemble des participants. Sérieux? Toi là, avec ton double clair! Toi là, espèce d'enfant! C'est toi qui as tout pris là! Sale bâtard là! Tu viens de bouffer tous les trucs, toi! Ouais! Espèce d'enfoiré là! Tu viens de tout bouffer, toi! Voilà! Ah, vous êtes trop fou avec cette violence, bande de bouffons! Ok, 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 ok. Comme nous l'avons précisé tout à l'heure, tout excès de violence sera réprimandé. Vas-y, monte Steve, vite. Vous allez tous retourner à vos couchettes immédiatement. Oui. Nous allons couper les lumières. Pardon, Steve. Et vous allez dormir et vous jouerez au prochain jeu demain. Moi aussi, je dois avancer. Ah non, t'es pas avec nous, toi, bouge. Précisons de plus. Que ce soir, durant la nuit, l'accès aux toilettes sera restreint. Quoi? Peter, tu peux faire la courte, s'il te plaît? Putain, je vais pisser où ici? Maintenant, c'est quoi cette merde? On va pisser là, où là? Sérieux? Peter, attends, ouais, t'inquiète. Merci. T'inquiète. Ouais. Y'a le mec d'en face là. Avec son haut clair là. Là, vous voyez là sur le lit, celui qui est debout là. Vous voyez là, il est sur le lit. Celui qui est tout en haut? Ouais, non, pas celui qui est tout en haut. Extinction des feux. Celui qui parle devant le mec assis là. Vous le voyez, il est. Nous souhaitons à tous une agréable soirée. Joie. Eh, faut se le faire, il a bouffé toutes les rations, j'ai même pas pu bouffer. Lui, en il a plus tout pris. Pendant la nuit, là. Putain, je vais bouffer, mais je vais bouffer quoi? Peter, mais y'a personne, hein. Pendant la nuit. J'ai un couteau. Écoutez, les gars, c'est moi qui ai créé le groupe avec Steve, écoutez-moi. Ouais. Quelqu'un va aller avec Peter. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent créer un petit groupe, là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Bouge. Il lui prend son bras là. Non, je comprends pas, c'est pas moi, je vais rentrer. Eh, dégage. Viens là, va là-bas. Viens, on va le suivre. Mais t'es mal. Vas-y, t'es pas bien toi. T'es mal. Oh, mais bouge. Dégage, t'es pas bien. Ça se bat les flics. On y va, on va. Qu'est-ce que tu veux? Attends, putain, allez. Bon. Non, par contre. Toi, le son sirinette! Eh, l'excès, putain! Vas-y, Peter!
Monte-leur, Peter. Vas-y, Peter. Vas-y, Peter, c'est bien. Monte-leur, monte-leur. Vas-y. Eh, c'est le cas tout bouffé là, il est où? Il est où c'est le cas tout bouffé? C'est le cas il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. C'est celui qui est assis. Non, non, c'est pas lui, il avait un clair, il avait un clair, il est où? C'est pas moi, c'est pas moi, je suis sûr que c'est pas moi. C'est lui là-bas! C'est lui là-bas! Je vais te suriner, toi! Il y a les gars, il y a les gars! Je vais te suriner! Il y a les gars! Qu'est-ce qu'il fait? Putain, merde! Comme nous vous l'avons annoncé précédemment, aucune violence ne sera tolérée. 06 procéder à l'évacuation des joueurs éliminés. Mais si, je t'ai vu tout à l'heure avec un couteau. Ah ouais, t'as parlé avec moi à l'instant. Ah ouais, ouais, peut-être. Ah, il a un couteau lui. Eh, le vieux. Eh, ouais, ferme-le, le vieux, je te plante. Ah, taisez-vous, tiens, bougez rien. Chut, taisez-vous. La cagnotte va donc augmenter. Yes. Oh putain, yes. Et ceci se fera à chaque fois qu'un joueur sera éliminé. Mais toi, avec ton couteau, mais tu pourrais plus. Nous allons donc bientôt passer au prochain jeu. Je vais faire augmenter la cagnotte, je peux vous le dire. Nous allons vous demander de reformer deux colonnes. Hey, Peter, ça va? Putain. Peter, ouais, ça va, les gars. Il y a eu deux morts, putain, c'est bizarre, hein. Ah ouais, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre tout ça, hein. Nous allons demander à l'ensemble des participants de bien vouloir nous suivre pour procéder au deuxième jeu. Je te fais confiance. T'inquiète, hé, Stewart, on est ensemble. Ça, moi mon gars, t'as vu, j'y suis allé, ouais, tu vois. C'est trop stylé. Non, ça va, j'espère que ça va pas être un jeu dur. What? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? The fuck. Nous avons demandé à tous de vous replacer correctement. Tiens. Soraya, t'es où, putain? Allez, allez-y, placez-vous. Chacun des participants aura un ordre de passage. Merde. Je voudrais donc de vous demander de bien vouloir vous aligner en une seule colonne ou deux. Okay. Alignez-vous. Passez devant, moi je passe pas devant. Tu t'alignes pas, toi je suis devant ton couteau là. Je te plante, vas-y dégage. Avancez, ils vont nous éliminer, avancez. Avancez là.